Ok, on se retrouve pour un autre dernier chapitre dans notre épopée fabuleuse d'NHL 21. Cette fois-ci, dernier pack opening de récompenses rivaux. Je voulais finir en beauté. Je pense que mission accomplie, on pourrait dire. Division 6 toujours. J'ai joué en Division 6 pendant des mois. Pas mal là ma place, je dirais. Je me sentais confortable en Division 6. Je gagnais, je perdais. Mais j'étais capable d'avoir de super victoires. Puis oui, je me suis déjà fait défoncer. Mais bien souvent, même quand je perdais, j'étais capable de faire opposition. Bien souvent, j'étais allé coller à Division 5. Mais j'ai surtout joué en Division 6 pas mal en plein milieu. Et c'est pour ça qu'on finit toute cette belle saga-là de rivaux avec une récompense platine. J'ai fait 7 matchs, super fiche, 5 victoires, 2 défaites. Je pouvais pas demander bien bien mieux comme fin. On va souhaiter avoir au moins du mauve. Et c'est pour ça que là, j'ai dit tant pis, puis on évoque la récompense non échangeable, parce qu'anyway, les giveaways, on n'en fait plus ben ben, là, la majorité d'entre vous avait déjà de très bons clubs, fait que là, on veut maximiser nos chances d'avoir de la mauve, alors on y va, le tout pour le tout, non échangeable, c'est le même design de pack, mais faut pas se faire avoir, là-dedans, il y a 2 packs joueurs méga, des packs de 30 cartes, toutes des joueurs or, très tentant, ça, on en a 2, juste là, on va avoir 60 gars. Et ensuite, on tombe dans le pack élite. Là, c'est 10 éléments, au moins 5 joueurs de 80 et plus. Donc, on a pas mal de monde à aller voir. Au moins 70 gars, peut-être même plus, dépendamment de nos packs élites. Qu'on y va, on voit de la mauve, juste pour l'effet spectaculaire de la chose. Parce que, hey, ça achève pour vrai nos affaires. Là, on a fini les pack opening clash déjà. Là, on termine ce soir rivaux. Mais j'ai un autre petit projet que je prépare, là, que vous allez avoir des nouvelles de ça dans quelques jours. Fait que chaque chose en son temps, on y va. Notre dernière récompense, division 6, platine. Parce que j'ai surtout plus fini argent puis or dans l'année. Platine, c'est peut-être arrivé 2-3 fois, pas bien ben plus. À une heure de gaming par jour, c'est ça que ça donne. C'est ma fiche de 5-2 qui a tout changé. Anyway, j'ai assez jasé, on y va. Pack joueur méga pour commencer. On se lance. 30 gars. On y va une carte à la fois. On fait durer ça, là, le suspense. 77, c'est pas bon. Au pire, je ferai des collecteurs. Avec ça, on verra. On aura peut-être des derniers beaux Master 7 à faire avant la fin. Parce que moi, j'arrête le 15 septembre. C'est très bientôt. Pour mon 1 mois de congé avant NHL 22. Ok, 84. Au moins, on va en monter. Ah non, on monte plus. 84 à battre. Puis pack joueur méga. Je suis pas sûr de ses stats. Je sais plus si tu as à peu près une chance sur 4 d'avoir un bon pull. Je suis plus sûr. 118, ouais. Ah, 85, on va en montant. Ok, ok, nouvelle meilleure carte. Moustachio Matthews. D'accord. Europe, on s'en fout un peu de ceux-là. Ok, 117. 118. Oh! Oh, ta barouette! Et c'est pas de la petite mauve, ça? Opelay! Opelay! Kaspari Kapanen! Winter National! Super de belles cartes! En plus, ça fait un nouveau design, parce que je suis tanné des cartes ambiance estivale. Il y en a ben trop. C'est entre autres une des raisons pour laquelle je n'ai toujours pas upgradé mon Martin Saint-Louis, ni mon Matt Sundin, ni mon Noah Hannafin. Noah Hannafin, je l'adore, j'en ai souvent parlé. Je pourrais l'upgrader encore plus, mais sa carte NHL 2030 est tellement rare, on n'en voit à peu près pas des cartes comme ça online dans les autres équipes. Fait que j'ai pas le goût de l'upgrader en ambiance estivale. Ça, c'est pollué d'ambiance estivale. L'événement est trop long, là. Faut au-dessus d'un mois qu'on est en ambiance estivale. Fait que Winter National, ça amène une touche différente. C'est dans les plus récentes Winter National, mais quand même. Fait qu'avec le drapeau de la Finlande. Ok, c'est cool ça, 98, il perce l'alignement, je sais pas où je vais le mettre, mais oh là 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 là, il tire de la droite, j'aime croiser les palettes en temps normal, il y a vraiment pas beaucoup de points faibles, 1m85, 88 kg, shape très respectable, il accélère à 96, puis patine à 96, après le seul point faible, mais moi j'ai distributeur, détonateur, fait que ça va monter à 99. Mise en échec corporel est à 96, mais j'ai extincteur dans l'équipe. Bam! Sans moins de 99. Wow! Hey, hein?
Ça, c'est digne d'un master set. J'ai bien fait de prendre un non-échangeable. Je vais me le mettre dans le club. Là, peut-être que si j'avais pris échangeable, j'aurais pu vous le donner. Mais y'a rien qui dit qu'on l'aurait eu, parce que là on a le double des récompenses. Peut-être qu'il aurait été dans le pack qui aurait été absent si on avait pris échangeable. Et de toute façon, comme je disais, il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez déjà des gros clubs. Fait que tant pis, lui je le garde pour moi, mais waouh, 98 dans le premier pack qu'on ouvre. Eh boy, hein! On finit Rivo sur une note positive. Eh boy! Une excellente fiche, en plus que comme je disais, 5-2. J'ai souvent fait mes fiches rivaux quand même positives, là, mais souvent je jouais pour 500, où j'avais une victoire de plus que de défaite, mais là, 5-2, là, j'ai pas eu ça souvent. Puis là, en plus, avec la belle carte de 98, tabarouette, hein? Mais ça paraît qu'on est en fin d'année, j'ai pas crié comme un perdu comme je faisais il y a quelques semaines, quand on pognait du 94-96. Je me rappelle encore quand j'ai eu dans un live... ma John Tavares de 94, et hey, j'avais gueulé, je m'étais levé de mon divan, j'avais couru en cercle dans mon studio, j'en revenais pas de mon pool. Puis là, je prends un 98, puis j'ai comme juste fait « Oh, wow! » Fait hey, en tout cas, toute une carte, on part en force. Souhaitons qu'on va continuer sur notre lancée. Mais hey, hein, c'était le fun de voir ça dans le pack War Mega. Tabarouette, on y va, on enchaîne. On y va tout de suite avec l'autre. Ok, Sunset. Oh non! Oh ben! Oh non! Il sert à rien! Oh, tu parles d'une affaire! Je pogne un Master Set, ambiance estivale, mais il a fallu que je pogne celui que j'ai déjà. Puis moi, en plus, je l'ai upgradé en 98. Ah! Bon, fait que c'est sûr que si on avait pris échangeable, on aurait eu une des deux, hein, parce que là, on a eu un gros pull dans chacun de nos packs joueurs méga. Fait que si j'avais pogné Kapanen échangeable, ça aurait été cool en tabarouette. Mais si j'avais pogné Kaprizov échangeable, ça j'aurais fait « Ah! » Parce que oui, il y a une belle valeur quand même, malgré tout, mais je l'ai déjà! Puis je l'ai upgradé en plus. Ah ben là, les deux sont non échangeables. Je suis pris avec. C'est ça, c'est ce qui arrive quand on fait la décision, c'est-à-dire, drôle de phrase que je dis là, c'est ça qui arrive quand on prend la décision plus risquée de prendre du non-échangeable. On peut se pogner avec des bons master sets ou des gros pulls qui servent à pas grand-chose. Mais hey, pogné Kaprizov en double. J'ai pogné aussi plus tôt dans l'année un master set. Non, c'était pas un master set, mais c'est une grosse carte d'événement. C'était l'événement Club Européen de Hockey. J'avais eu en double Henrik Zetterberg, 90 d'OV. Heureusement, une des deux était échangeable. On a fait un giveaway. Non, on a fait un trade day avec. Sinon, j'ai eu aussi cette année deux non échangeables. Vraiment un doublon dans la même semaine. Un Barkov 88 d'OV. Ça, les deux ont servi à rien. Deux non échangeables, c'était bon pour les poubelles. Mais là, elle est pognée Kaprizov en double. J'en reviens pas. Faut bien être en fin d'année pour ça. Je le disais, hein, j'étais tanné des cartes ambiance estivale. Il y en a trop. Dans tous mes matchs online, là, il y avait des cartes ambiance estivale là, plus qu'une fois. Mais là, en plus, il a fallu qu'on pogne le Master Set. J'aurais préféré avoir le Master Set de Sergachev ou de Keandre Miller. Ou JT Miller, même. Ça m'aurait bien intéressé, ça. En tout cas, à date, au moins, ça va bien pour les mauves. On a une grosse mauve par pack. On retourne la voir au début. C'est juste plate, là. Je peux rien faire avec ça. Je peux rien faire pantoute. En tes cas. Bon. 97 dans un pack, 98 dans l'autre. Hey, il y a des bonnes stats, ce pack-là. Tabarouette. OK. Je chandail or. Toujours preneur pour un chandail or. Bon, là, le pack élite, chandail or. Moi, il m'a pas porté chance à tout casser. Il n'a pas été mauvais, là, mais il a pas été aussi fort que je pensais qu'il serait. Chandail or encore. 81. 82. 79. Et c'est ça. Rien de bon dans celle-là. Les chandails or. Hey, puis c'est un pack qui vaut 50 000 aux enchères. Non, c'est le Elite Jumbo qui vaut 50 000. Juste le pack Elite, je suis plus sûr. 25 000 peut-être? Ah, je suis plus sûr. Je pense que je le mélange. Avec le Elite Jumbo. Waouh, une célébration. Ça vaut rien. Chandail or que j'ai trouvé beau. Je l'ai porté une certaine partie de l'année. Ok.
J'en ai l'air haut, mais il est très laid. J'en ai l'air haut. Il est à peine plus beau. 83. Nashville. 80. Ok, j'en ai l'air rétro. 82. Et on finit avec. Ah, ça allume pas. Ben, c'est vraiment nos packs joueurs méga qui étaient là, la vedette de la soirée. Deux gros pools, un master set. Mais il sert pas à rien, on l'a déjà. Ok, hey, on finit là-dessus. Au moins, c'est de la belle mauve. On va aller voir si on peut mettre Kapanen dans le club. Ben, ça tombe bien, on peut comparer là, aux stats. Le pack joueur méga, qui a été un pack fabuleux pour nous, c'est lui qui vaut 50 000. Fait que le pack élite doit être le pack d'environ 25 000. Nous, on a eu deux en deux. Ça a été écœurant pour les stats. On clique pour voir ses stats. Ben, une chance sur quatre d'avoir 86 et plus. On a largement battu les stats. Très belle victoire pour nous autres, ça. Comme vous le voyez, ben, on a déjà Kaprizov upgradé en 98. Fait que le 97, malheureusement, sert à rien. On y avait quoi? 10 Master Set, puis il a fallu qu'on pogne le double. Sinon, ben, pour mettre Kapanen, on a bien de la place. En même temps, Wallstrom va super bien. Ovi, on le laisse là, 99 en plus. Landeskog fait du super bon boulot. Andrew Ladd aussi. Quasiment le goût de mettre Kapanen au centre, vu que même s'il y a juste 80 de face-off. Fait que, bref, c'est ça, on a trop de bons joueurs. Ça fait partie du jeu en fin d'année, là, ça arrive. Sinon, Goodrow est un peu lent, mais il plaque fort. Palat, joueur de plus de finesse, ça pourrait être une autre option là. Fait que, encore là, non échangeable. Fait que c'est sûr que si je le mets à la place de Landeskog ou Ladd, je pourrais donner une carte. Pas assez sûr d'où je le mets. Fait que pour l'instant, je vais faire des tests, je vais m'amuser un peu. Je vais peut-être le garder, je vais peut-être vous le donner. Je vous garantis rien. Mais bref, ça a été une super belle récompense. Je suis content qu'on finisse sur une note positive de même. Puis merci à vous autres d'avoir été fidèles dans nos rendez-vous de pack opening. Mais c'est pas fini. Un autre petit projet dans quelques jours. Salut là. Et hey, puis non, on va aller s'acheter un autre pack joueur méga. D'un coup, on a 3 en 3. Fait qu'on s'en pogne un. Le dicton jamais 2 sera en 3. Sera-t-il vrai? Sera-t-il faux? On se lance. Là, c'est promis, si je pogne 96 et moins, je vous la donne. 97 et plus, là, je vais me gâter un peu peut-être. Mais 96 et moins, je vous donne ça. On s'entend là. T'es 90. Je ferai pas un giveaway pour 89. Allez, allez, allez. On va voir de la mauve encore. On peut-tu faire un triplé? Je sais que je suis gourmand, là, mais anyway, il me reste des pocs. Ah, il est drôle son casque, par exemple. Il fait peur un peu, par exemple. Ah, petite carte. Voir de la mauve, voir de la mauve. Allez, allez. On peut-tu faire 3 en 3? Ça se peut qu'il soit pourri, celui-là, là. Ça se peut. C'est pas grave. Faudrait qu'on prenne une chance. Come on. Ah, feel the thrill. À date, pas fort. Tabarouette, pleine carte en bas de 80. N'en prends rien qu'une. N'en prends rien qu'une pour sauver le pack. Ah oui donc. Ah oui donc. C'est pas fort ça. Come on. Ah! Hey, juste 3 cartes. Mon dieu, à date, c'est les deux qu'on a eu en non-échangeable qui étaient vraiment forts. Celui-là, la boutique est pourrie. On finit avec quoi? Wesh! Wesh! L'échangeable était vraiment pas bon. Bon, ben, en tout cas, on a essayé. Salut, là. Ah, ça fait du bien de finir. Au moins, c'est une note positive. Good!